Dans l'épisode précédent. Ah merde. Ok. Ah ouais d'accord. Alors ici il faut rester baissé. Ah bon? Il me semblait que... D'accord. Ah merde. J'ai carrément raté les deux en fait. Même pas une. Non, il faut courir à l'inverse. Merde. C'est vrai. Et maintenant... Hey, comment se retrouvent mes louveteaux? C'est Cassiolermé de Joga. Et c'est reparti pour un nouvel épisode de Crash Bandicoot Tencel Trilogy. Ah, ma dernière fois, bon bah... C'était tranquille, hein. Franchement... Encore une salle de fête en un épisode, plus un boss, et je l'ai fait deux fois d'ailleurs. Je suis assez fier. Donc cette fois-ci, allez, on va aller à fond sur Coco. Attention de ne pas sortir de son contexte. Parce que je vous vois venir, mes petits malins. Mes petits salopios. On va faire dans l'ordre. Dynamite. Débloque un nouveau chemin en gagnant une gemme jaune ailleurs. Ouais, je ne l'ai pas tout de suite la gemme jaune. Il faudra attendre. Alors, hop. Merde. Ah oui, il y a les fameux... comment ils s'appellent encore? Enfin, leur nom officiel, c'est... les Crash... Enfin, Fish Crash, je sais plus comment ça s'appelle là. Les Crash Fish, hein, les poissons Crash quoi. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Alors c'était un ancêtre des Bandicoots. Hein. Ah c'est un peu con. Hop. Faut faire attention et il faut surtout pas faire de tourbilol quand ils font aussi des tourbilol. T'aurais dû mettre des poissons coco aussi, tiens. LOL. Ils avaient quand même une meilleure gueule dans la version originale. Ah, la gemme jaune ici a débloqué. Ça, ce sera dans un chemin de la mort, normalement, pour l'avoir. Hop, ça dégage. En platine, ils seront... Enfin, pour la relique, quoi. Ils seront assez chiants. Et voici notre chère amie, nouvelle amie. Baby T, qui est son nom officiel, Baby T, Baby T-Rex. Alors, il faut savoir que c'est assez spécial quand même, comme tyrannosaure. C'est un tyrannosaure pas carnivore justement, herbivore. Il mange des herbes. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais... On va dire que c'est un concept, voilà. Ah, lui il peut pas attaquer. Il faut tout esquiver. Hop. Allez, on peut aussi sortir. Et le reprendre. Par contre, si on se fait toucher, bah c'est comme Yoshi hein, dans Mario. D'ailleurs, il est très 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 inspiré Yoshi de Mario. Le Baby T. Parce que Naughty Dog reprend un petit peu quelques concepts de Mario quand même. Quelquefois. En fait, quand on se fait toucher, et ben Baby T se barre. Tout comme Yoshi. Lorsque Mario le chevauche. Voilà. Bon là, il me laisse tomber. Et d'ailleurs, pareil, il faut en fait casser un œuf dans Mario pour avoir Yoshi. On va dire, c'est un petit clin d'œil. Hop. Maintenant je peux au moins avoir une gemme. Hop.
Hop. Franchement, les décors sont super avec les eaux fossilisées. J'aime beaucoup l'ambiance. Même si je suis pas trop fan de la remasterisation de la musique, franchement, au niveau ambiance, ils ont tout donné. Les laves volcaniques sont super bien faites. Tout est bien fait, tout simplement. Voilà. Hop. Ah oui, le super cul d'acier de Coco. Bon, faut savoir que Coco, en fait, quand elle a pas le pouvoir, elle fait une autre technique. C'est pas le cul d'acier, c'est autre chose. Hop. Oh non, pas pour un Wumpa quand même. Bon, le super play, il servira qu'à ça. Hein. À des passages comme ça. Voilà. Allez hop, on y go. Hop là. Ah, les petits boosters. Hop. Faire vite. Bon, il va me les casser. Voilà, il est gentil le dino. Par contre, je sais pas s'il va me les casser. Si. J'avais un doute. Ok, d'accord. Bon. Petit fail, c'était pas voulu. Bah, si tous mes fails étaient voulus, je serais un sacré sadomaso quand même. Merde ! Putain ! Hop. Faut que je saute un petit peu plus à l'avance. Ah là, cette lave qui me faisait toujours penser à de la lasagne dans un four. Merde. Oh, je sais pas pourquoi, hein. Ça me faisait toujours penser à de la lasagne. C'est... Quand j'étais petit, je voyais ça, c'était de la lasagne. Oh, non. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, là? Qu'est-ce qu'il fait, le Triceratops? Non, mais pourquoi je la refais? En plus, il tire par les cheveux. Oh là là. J'en connais un qui va avoir 70 euros d'amende. Non, putain. Allez, c'est parti. Je vous avais dit que j'allais regretter de... J'allais regretter de prendre Coco. À chaque fois, toujours avec elle. Toujours avec elle que je fais les fails les plus cons, les plus débilos. Ah bah voilà. Eh ben merde, hein. Non, non, au final, non, faut que j'aille à la gemme jaune. Ah bon. Ok, bon. Non, je peux pas non plus avoir la gêne ici. On verra ça plus tard. Bon. High time. Un niveau Chialadin. Encore une fois. Une gêne spéciale se cache au bout d'un chemin mortel. Ah oui. Faut que je fasse attention de pas crever. Après avoir cassé un checkpoint, évidemment. Attention! Oula! Donc, la prudence est de mise. Bon, toi, tu peux aller te faire. Ah, c'est vrai, j'avais le double saut. J'ai pas du tout. Non, je m'en suis pas du tout servi. D'accord. Ça aurait pu me permettre de moins failler là. Mais voilà, hein, je suis con, je suis comme ça. Oula, la caméra là. Qu'est-ce que tu me fais? Attention, hein.
Alors, le petit singe avec ses peaux. Gardez-moi cette tête. Voilà. Faut lui faire attention, il est assez traître. Le petit vendeur de tapis pas cher. Oula. Voilà. Allez, allez, dépêche-toi le tapis. Voir 99. That troll. Allez hop. Prends le petit bonus. Là faut faire attention. Let's go. Ouais c'est vrai qu'il y a le double saut. Je devrais arrêter. Voilà, comme ça c'est fait. Ok. Voilà, comme ça c'est fait. On arrête les conneries. Bonus assez simple. Oula. Ah, c'est vrai qu'avec les perspectives, des fois, les tapis me font peur. Voilà. Et le chemin de la mort. La mort. Y a pas de checkpoint plus loin. Non. Ok. On va éviter. Voilà. Trophée obtenu, la mort des jouets, ça viendra. Ouais. Ah, la musique, elle est encore mieux. Elle est... Enfin, les instrumentaux sont très 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 différents de la version originale pour cette musique du chemin de la mort. Et franchement, elle passe super bien. Oh, d'accord. Voilà, on se casse au final. Attention, le scorpion. Attention. Et la gemme violette, ça veut dire que je pourrais enfin faire le niveau égyptien tranquillement. Pour avoir toutes les caisses. Et merde, j'aurais pas dû faire... Oh tant pis. J'aurais dû me suicider mais... Tant pis, on va faire une ellipse. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Ah. Ok. Et bon. Nya. On va pas se casser la tête. Voilà. Allez, juste pour le fun. Voilà. Ok. Je vais faire attention.
Oh, te suant, toi. Ah, le tapis. Moi aussi, j'ai un tapis, t'as vu? Aïe, foiré. T'es jaloux, hein? C'est vrai qu'il a une tête qui ressemble beaucoup à Abu hein, dans Alada. Même si Abu c'est plus un singe qu'un chimpanzé. Voilà. Tranquille. La deuxième gemme. Et c'est parfait. Voilà, voilà. Bon, on va couper la danse par contre, hein. Voilà. Parce que tu copies très mal ton frère. Je suis méchant. Hein, on reprend notre bon vieux Crash pour Road Crash. Beaucoup plus difficile que Hogride, mais c'est toujours faisable. Alors, on va essayer d'avoir les deux en même temps. C'est pas dit. Voilà. Aïe. C'est pas grave. Ah, ici, il y a un secret. Petit secret. Bien caché quand même, hein. Là, j'avais même pas lu ce que Aku Aku avait dit d'ailleurs. Ça se trouve, il avait spoilé ce secret de merde. On parie. Dégage de là! Tu fais chier! Hop là! Une petite vie. Ah, attention, le trou quand même. Freine. Ah. Ok. Ça, ça dégage. Ah oui, faut que je passe par là. Parce qu'il y a la caisse. Voilà. Quitte à ce que je n'arrive pas premier, au moins j'aurai toutes les caisses. Et après, je carbure pour le deuxième coup. Ah, on fait toujours comme ça. Ah, le trou! Ouais, bon, ben, pour la première place, ce sera mort. Voilà. Tant pis. Tant pis, tant pis. On aura notre petit lot de consolation. Qui est la gemme. Et on recommence. Allez, quand même casse-couille, hein. En fait, le plus casse-couille, c'est juste les concurrents, finalement. Avec leurs gros cartes de merde, là. Ah, mais je veux tellement un remake de Team Racing. Putain. Ça m'y refait penser. Faites-le, ce remake de Team Racing. Faites-le. Franchement, faites-le. Vous mettez online. Cool. Allez hop, on s'en fout des caisses, on doit arriver premier, coûte que coûte. C'est-à-dire prendre le plus d'accélérateurs possible. Ah, j'ai coupé le concurrent ici. Éviter le maximum les tremplins parce que ça fait plus ralentir qu'autre chose. Voilà. Ok, troisième. Ah, il faut que je prenne ça obligatoirement. Alors. Ah, non, je croyais que j'étais troisième, merde.
Alors je suis quatrième. Ok. Tant pis. Non, ici obligé. Allez, je suis au moins au cul du premier, ça ira. Dégage! Tu sers à rien! T'es nul! Dégage! Arrête de me couper la route! Salopard! Allez! Le dernier, suffit de bien couper ici. Non! Mais oh, la hitbox, la bagnole! Fuck you! Non, je voulais... Oh, si, c'est passé. Mais je suis troisième, fils de chien. Oh, putain. Le troll de fin. Je sens le troll de fin. Je le sens, là. Si je passe... Non, 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 pas le trou. Ah, je suis ralenti. Fuck. Fuck, 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 fuck. Nul à chier. Nul à chier, Crash. Nul à chier. Dégage, putain! Tu vois pas que tu sers à rien que ton véhicule de merde! Oh! Tu sers à rien! Appuie un peu mieux sur ta putain de pédale! Oh là là! Oh là là! Magnifique! 20 sur 20 au code de la route! Wouhou! Putain! Allez, je vais essayer de passer. Oh bah non, bon tant pis. Fuck you! Putain, c'est vraiment inutile cette merde là! Putain d'accélérateur de. Dégage! Tu sers à rien! T'es inutile! Avec ta bagnole! 93, 2017, je m'en bats les couilles! Ah! Putain, et même à la ligne d'arrivée, ils viennent te casser les couilles! Ah, c'est horrible! Oui, recommence! Ah non, 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 laisse tomber, laisse tomber. Ok. Laisse-moi. Oh. Dégage, 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 dégage. Hors de ma putain de route. Oh putain, c'est horrible. Oui. Dégage. Non. Espèce d'enfoiré! Va te faire foutre, concurrent à la con! Chauffard, putain! Mamie sur... Des mamies sur la route! Allez, niveau 15! Double leader. Bon, niveau plus tranquille. Bon, je vais prendre Crash parce qu'il y en a marre. Allez vous faire foutre. Rater un niveau bonus, ce coup de pas de vie, blablabla. Je connais la chanson. Et après, on va faire Nefarious Tropy. Ah oui, lui, c'est... Voilà. On peut pas les tuer à proprement parler, on peut juste les faire tomber. Oui, on peut faire ça aussi. Tout à fait. Le jeu te le permet, autant en profiter. Ça permet d'aller plus vite. Voilà. Ouais, c'est bon, ça casse tout. D'ailleurs, si vous faites toucher, vous faites envoyer à l'écran.
C'est drôle. Voilà. Bon, c'était pas loin quand même. Parce qu'il faut faire attention, sinon ces caisses deviennent des caisses d'acier et plus possible de les péter et 100% niquer. Voilà. Ah oui, ils ont changé un truc par rapport à la version originale. Avant, on les foutait en caleçon dès qu'on les touchait une première fois. Et la deuxième, ben, on les butait. Et là, non, bon, ils ont changé. Donc, quelque part, ça les rend moins chiants. Mais ça les rend moins drôles. Ces petits merlins. Ah! Attention ici. Voilà. Nickel. Attention! Ok! Le stress était là, mais on a réussi! Oh là là, les effets d'orage quand même! Ok, tout à fait crash. Enfoiré, dégage de là. Non ! Oh là là, juste devant la fin, allez. On perd pas les bonnes habitudes. Super. Nickel. Allez. On refait ça. Farm un petit peu de Wumpas. Voilà, dégage de là au final. Ça apprendra à essayer de toujours utiliser les bords comme un vulgaire tricheur. Allez, bon bah on va se faire entropie. J'ai le temps. Normalement. J'ai oublié un niveau. Oh non. Non, attends, non, c'est... Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ah, attends. Attends, attends, attends. Ah, Deep Trouble. Putain, bah oui, niveau d'eau. Niveau sous l'eau que j'ai oublié. Ah, je savais que tu étais ingénieur. Mais je ne t'aurais jamais cru capable d'aller aussi loin.
Si tu continues... Je ferai s'abattre 1000 années de souffrance sur toi et sur tout l'univers. Tu peux toujours essayer pour voir. Bon, ok, ben j'ai toujours le temps, allez hop. Carrément faire comme ça. Voilà. Voilà. Oula. Attention ces poissons là. Voilà. Bon, il y aurait moyen de carrément aller tout de suite dedans, mais non, on va éviter. Ouh ! Je voulais monter, mais le tank il fait... C'est du mal. Ah merde, quoi. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Lorsque tu veux remonter, tu le remontes tout de suite. Si tu sais un minimum nager, hein. Le requin. Faut passer tout à gauche. Oui, tout à gauche. Point. Hop là. Ouh, attention. Hop. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors ici, il faudra revenir. Ok. Ah, c'est si je veux avoir toutes les gemmes. Ok. Ouais, attention. Le poisson. Le petit poisson coffre. Voilà. Oh non, j'avais dit que je voulais pas le casser. Puis... Oh putain, t'allais pas commencer à faire ton vieux fail là. C'est pas grave. Ok. Désolé, tu me fais peur, mon petit Bruce. Ceux qui connaissent la référence. Alors, les nitros, je vais essayer de les avoir depuis ici. Voilà. Ok. Non. Putain, j'ai horreur de la mécanique de gameplay de ce truc. Je veux l'avoir, ce poisson. Voilà, parce qu'il est chiant. Bon, c'est pas grave. Ah, je l'ai... Oh, merde, j'aurais pu... Oh, fuck you. Non ! Dégage ! Hep, 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 t'allais pas commencer. Non, non, non ! Pas mettre... Non ! Crash ! Putain ! Enculé, va te faire foutre.
Attention. Voilà. On dégage. Fais pas le con, Crash. Fais pas le con. Allez, on appuie avec le nez. Hop. Voilà. Le checkpoint ici. Non. Gentil poisson. Non, putain. Vous avez vu ça quand même. Donc, je me fais aspirer dans le sable. Voilà. Hitbox. Les collisions encore. Oh putain. Allez, dépêche, j'ai une entropie à faire là. Ça m'amuse pas, j'ai une entropie à faire, dépêche-toi. Oh, il fait chier lui alors! Non! Bruce! T'es chiant! Oh! Oui! Tout à fait! Alors! Super! Hein, je fais le tourbillon, non seulement il ne touche pas, mais en plus de ça, je suis derrière le requin. Crash, il se met devant pour se faire bouffer. Voilà. Merci beaucoup, Vicarious, d'avoir fait ça. Oh, putain. Eh, mais pour faire ça en platine, mais... Doigt d'honneur. Gros doigt d'honneur. Putain. Va te faire foutre, toi. C'est amusant de coder avec le cul, hein, c'est amusant, hein. Hop, cette gemme. Et la rouge, allez tous vous faire foutre, j'ai horreur de ce style de niveau. Pire idée du monde. Encore, s'il est... Si la maniabilité était bien, ok, mais là non, non. Les gens qui disent, ouais, les niveaux de moto c'est de la merde, mais ça c'est de la merde. Ça c'est vraiment pourri, nul à chier. Tu veux jouer comment cette merde? Allez, Docteur Entropy, j'ai pas que ça à foutre. Petite vermine trop bête pour savoir dans quel pétrin vous vous mettez. Cette fois, c'est celle de trop. On verra, on verra, on verra. Te voilà dans ma zone temporelle, espèce de rat. Donne-moi les cristaux. Hop. Voilà. Le secret, c'est toujours rester ici. Hop. Ici, on se baisse. Voilà.
Et hop, tu dégages. Hop là. Ouais, faut surtout pas hésiter à utiliser les doubles sauts. Hein. Hop. Non, 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 surtout pas. Remettre les pendules. T'aurais pu dire à l'heure aussi pendant qu'il y est, non? Tourbillon de la mort. Le super tourbillon. Lalalalala. Pour tourner plus longtemps et plus vite, ou pour planer en l'air, appuie sur carré à plusieurs reprises. Pouvoir très utile, faut le dire. Très très utile en effet. Bah ok, bah voilà. Bye bye. Espèce de sale minable effrontée, en battant Entropie, vous nous avez tous mis en grand danger. Coco, je vous rappelle que la Chronotornade est une machine fragile. Sans le contrôle et l'entretien du docteur Entropie, qui sait ce qu'elle va faire? Nous ramener dans le futur. Eh ouais. Mais bon, c'est de ta faute, hein. Vous nous avez tous mis en grand danger. Ouais, ça parle de grand danger, mais en attendant, hein? Qui veut asservir la planète? Voilà, vous avez la réponse. Bref. Sur ce, encore une salle de fête. Super. Un épisode assez rageant sur certains points, sur deux niveaux en fin de compte. Hein. Et puis voilà. J'espère que ce sera pas la même chose, s'il vous plaît. Pour le prochain épisode. Enfin bref. Merci à tous d'avoir regardé. Portez-vous bien. Que la foudre du Ginnungagap vous accompagne en difficile. Ciao. Peace and love. See you next time. Bye!